trois policiers en uniforme et un en civil. Habillé en sombre avec une capuche tout en noir, en tête de quai. À leur tête, le capitaine Nathalie, 36 ans. On attend. Les policiers veulent prendre le suspect en flagrant délit. Alors pas question de faire irruption sur le quai tant qu'il n'est pas passé à l'acte. L'oreille collée au téléphone, Nathalie attend le feu vert de sa collègue Mallory. Ce sont ses yeux. Le problème, c'est que si on intervient et que la personne n'a rien fait, il n'y aura pas de suite judiciaire. Il se lève, il change de côté. Pour le moment, rien n'indique qu'il s'agisse d'un voleur. Il a pris quelque chose, là? Il a quoi dans la main? Ah, je sais pas, mais là, non, il fume une clope. Ah, il fume une clope, ouais. Ok, il fume une cigarette. Dans le doute, Nathalie décide d'envoyer son collègue en civil en reconnaissance. Vous y allez, Gino, pour regarder? Mec en sombre, il est parti, il s'est posé. Mais le policier ne va pas avoir le temps d'atteindre le quai. En une fraction de seconde, la situation bascule. Ah oui, il est en train de le travailler. Ah oui, là, il le travaille. Ah, il se penche dessus, ça se penche. Il se penche dessus, il lui fait les poches, là. Bon, on va le taper maintenant. On y va, on contrôle. Il faut faire vite, car le suspect peut à tout moment prendre la fuite en métro. Il prend la rame, il faut qu'il tape le contrôle. Ouais. Allez-y, allez-y, parce que le mec, il va monter dans la rame. Oui, donc Gino, il va le voir. Et Gino, il arrive, il va le voir. Voilà. Il est témoin une. L'individu est maîtrisé, mais problème, il affirme ne rien avoir à se reprocher. Mis à part sa cigarette allumée, ce qui est interdit dans le métro. Bonjour, monsieur, c'est la police. On éteint la cigarette, monsieur. On va faire un contrôle. Levez-vous, monsieur. Levez-vous, monsieur, on va faire un contrôle. À côté de lui, le fêtard commence à reprendre ses esprits et il ne trouve plus son smartphone. Il était allumé ou pas? Allumé avec une sonnerie? Vous écoutez si ça sonne? Nathalie compose son numéro. Ça sonne. Les survivreurs. Les policiers ne s'étaient pas trompés. Le suspect a bien dérobé le téléphone. Quoi? Dans la poche? Ok. On l'a retrouvé, il l'avait mis dans son sac apparemment. Là, il est tôt, donc je pense que c'était sa première victime. Et on a des personnes qui font ça toute la matinée. Voilà. Qui volent plusieurs fois, donc des fois, c'est arrivé qu'on trouve 3-4 téléphones. Pour la sécurité. Cette fois, le fêtard a eu beaucoup de chance. Son smartphone vaut plus de 500 euros. Sans l'intervention de Nathalie et de ses hommes, il se serait fait plumer. Les policiers vont également découvrir que l'homme était prêt à tout pour parvenir à ses fins. À te filmer, je te dis. À te filmer, on va. Sur lui, Nathalie va retrouver des armes de catégorie D qu'il est interdit de transporter. Bon, le monsieur avait ça dans son sac. Deux couteaux. Des fois, ils s'en servent pour couper les poches des victimes aussi. Donc, quand ils n'arrivent pas à sortir les objets, ils découpent les poches avec un couteau ou une lame de cutter. C'est plus facile. Ou pour menacer la victime si elle se réveille et qu'elle se montre agressive. Pour le port de ses couteaux et le vol du téléphone portable, l'homme risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Chaque année, dans les transports en commun parisiens, plus d'une centaine de fêtards sont victimes de ces voleurs un peu particuliers. Je sais pas ce qui se passe. Ça descend. Il est 8 heures. Le métro commence à être bondé. Derrière leurs écrans, Mallory et Thomas restent sur leur garde, car de nombreux autres dangers guettent les usagers.